Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le soin que j'ai fait dans l'une de mes précédentes vidéos. C'est un soin que j'applique sur mes cheveux qui sont mouillés, donc sous la douche. Ça me permet de les démêler et de les nourrir. En autre vidéo, j'explique et je montre comment je l'utilise. Je vous invite à regarder cette vidéo. Donc je commence en séparant le jaune d'œuf du blanc d'œuf. Donc mettez le blanc d'œuf de côté, vous pourrez l'utiliser pour autre chose, on s'en servira pas dans cette recette. On va ajouter à peu près 6 cuillères à soupe d'huile de ricin. On l'ajoute en mince filet tout en remuant, comme si on faisait une mayonnaise. Donc là, je vais faire fondre 3 grosses cuillères de beurre de karité. Et je vais l'incorporer au mélange cuillère par cuillère en mince filet comme l'huile de ricin. Donc il faut y aller doucement pour ne pas que le mélange se sépare. J'ajoute 2 cuillères de sirop d'érable. Ça peut être aussi du miel. Moi j'avais du sirop d'érable sous la main, donc c'est ce que j'ai utilisé. Et quelques gouttes d'essence essentielle. Donc c'est pas un ingrédient obligatoire, mais ça va permettre de donner une bonne odeur à la préparation. Et avant d'ajouter l'huile essentielle de pamplemousse, moi j'ai mis le reste de l'une de mes crèmes à l'intérieur de la préparation, mais c'est vraiment pas obligatoire. Voici mes cheveux avant que j'applique le soin, pendant. Et voilà quand j'ai rincé et que mes cheveux sont secs. Bisous bisous, à la prochaine!